Ouais, bah, en bon français, je sais pas si on peut dire que c'est une chanson engagée, c'est une chanson qui regarde, ouais, plutôt. Après, c'est pas. Enfin, pour moi, engagé, c'est des chansons. Le terme chanson engagée, ça implique qu'on se pose un peu en donneur de leçons, ou en tout cas en quelqu'un qui dit aux autres quoi faire, alors que Après, nous, ouais, à pas du partir tout, du quoi. moment où tu parles, tu donnes une opinion, quoi. Enfin, c'est. Il y a forcément un point de vue, donc engagement, si c'est dans le terme engagement politique ou social. Ou militant. Pas nécessairement, ouais. mais de manière plus. Enfin, après, c'est histoire de jouer sur les mots, hein, mais de toute façon, à partir du moment où tu écris un truc, tu choisis ce mot-là plutôt qu'un autre, tu t'engages, quoi. Mais ça peut être une démarche effectivement plutôt esthétique que politique. Faire un bon dosage, parce que si c'est vraiment, vraiment une histoire. C'est quelque chose uniquement narratif, la chanson supportera pas très bien la réécoute, je trouve. Enfin, tu vois, si c'est une chanson où on te raconte l'histoire et à la fin il y a une petite blague, tac-tac, c'est. Bon, bah, une fois que tu l'as entendu une fois, deux fois, c'est marrant, mais il faut laisser une part d'interprétation, pour moi, à ceux qui l'écoutent. C'est ça qui est intéressant et tu choisis ton chemin, toi, en faisant. Donc, sans que ça soit abscon non plus. Ça, c'est un peu difficile pour moi, les trucs vraiment, vraiment surréalistes. Ce soir, mon amour, je sombre. Suite à des discussions avec la maison de disques de l'époque, qui essayait de comprendre ce qui était le mieux pour le groupe. Et c'était une manière d'avoir une image un petit peu plus claire pour le public, parce que c'est, ou même les pros, c'est une nécessité d'être. Ouais, puis pour nous aussi. Hein. D'être visible, et après, nous, on s'est pris au jeu parce que ça donnait une contrainte intéressante et qui donnait des résultats qu'on validait, quoi, qu'on appréciait. Et c'est vrai, enfin, on a chanté en français depuis le début. Hein. Oui, voilà, sur tous les albums, il y a à peu près moitié, ouais. 50% de chansons en français, 50% de chansons en anglais. Et sur le troisième, c'est devenu évident que la maison Tellier en anglais, c'était pas le même groupe que la maison Tellier en français. Et je me souviens très bien de la fin de la tournée de L'Art de la Fugue, la tournée précédente, où à un moment donné, c'est devenu évident pour moi que c'était plus possible de faire les deux en même temps. Ouais. Il fallait choisir entre les deux, quoi. Et du coup, bah, on a choisi le français, oui, peut-être, je pense, par goût du défi, quoi, pour voir si on pouvait faire un album entier avec que des textes en français. Le truc, c'est que les chansons que moi j'ai envie d'écrire, c'est des chansons qui sont plutôt faites pour sonner en anglais. Les mélodies, la métrique des paroles fait que c'est beaucoup plus facile de la faire marcher en anglais qu'en français. Donc effectivement, écrire un texte en français sur une mélodie qui n'est pas faite pour ça, c'est un peu une gageure et un défi qu'on est content d'avoir surmonté. Enfin, je pense qu'on a à peu près réussi sur le dernier album. Moi, j'ai réussi à écrire à peu près les chansons que je voulais, mais avec des textes en français, alors qu'au début, c'était pas du tout gagné que ça puisse marcher. Bah, pourquoi si ? Après, c'est des histoires d'accent tonique, de chant dans la langue, en fait. L'anglais, c'est une langue qui est rythmique, qui est tonique, justement, alors que le français, c'est une langue qui est toute plate au niveau des intonations. Donc, oui, si on veut chanter du Brassens, par exemple, en français, ça va marcher super bien, en anglais, ça va être complètement nul. Et à l'inverse, les Beatles, en anglais, ça fonctionne bien, en français, il faut trouver des feintes, quoi. Parce qu'on peut pas trop détacher les syllabes, faire durer des voyelles, tout ça, c'est compliqué, et ça donne tout de suite des trucs un peu kitsch. En français, tu vois, tu vas avoir, je sais pas, tu prends du Brassens, c'est quasiment un poème que tu peux lire et qui est mis en musique, parce que c'est des alexandrins ou des machins. Tu regardes un texte de chanson en anglais, t'as pas forcément une direction obligée. Tu sais que le truc de Brassens, ça va sonner au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Tu peux pas en faire 12 milliards de trucs différents, j'ai l'impression, quoi. Donc il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être aussi l'ordre dans lequel ça vient, le fait que la musique vienne avant les paroles la plupart du temps. Et le fait que nous, on n'est pas des gros consommateurs de musique française aussi, du coup. C'est vrai que à force d'écouter que de la chanson française, ça conditionne aussi la façon dont t'écris. Ouais. Alors que bah ouais, moi j'écoute beaucoup, 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 beaucoup de musique non francophone, donc ça conditionne aussi la façon dont j'écris, dont je pense les mélodies.
et les arrangements vocaux et tout ça, quoi. Ouais, c'est cette sensation-là que t'as en écoutant, et je pense que t'es pas le seul. Mais j'espère que c'est pas non plus plombé, en fait. C'est un état entre les deux, quoi. Soit des textes plutôt tristes, mais avec une musique qui va relever un peu ça, être parfois un peu plus éclairer le propos, en fait. Et aussi le fait qu'écrire une vraie chanson joyeuse, c'est vachement dur. Oui, c'est comme faire une vraie bonne comédie au cinéma, c'est vachement dur. C'est plus facile de faire un drame. Ouais, moi j'ai essayé de pas aller trop loin dans le pathos. Dans le dernier album, quoi. Je voulais pas. C'est facile d'avoir recours à des trucs des fois qui sont vraiment tire-larmes. J'aime bien aller juste à la limite, quoi. À l'avenir, t'as pas le choix, quoi. Tu vas y aller quand même, donc. Là, c'est... Autant pas s'en faire et penser à ce qui s'est déjà passé. Ouais, c'est une manière de se fabriquer une espèce de monde rêvé qui va piocher dans plusieurs lieux, plusieurs époques et tout. Voilà, et c'est ça qui décore les murs de cette maison-là. Je pense que c'est... Mais peut-être que ça changera, justement, c'est intéressant. C'est quelque chose auquel on a souvent eu recours, ça, cette espèce de nostalgie ou de mélancolie. Et on ne voulait pas tomber dans le passéisme, dans le côté c'était mieux avant du tout, c'est pas vraiment ça. Mais c'est plus pour mettre des filtres sur des histoires finalement assez basiques, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, de rupture. En essayant de pas être trop pompeux, de dire qu'est-ce que c'est d'être des hommes blancs d'une trentaine d'années en Occident, début 21e siècle, tu vois, mais sans que ça soit trop près de la réalité. Donc il y a peut-être un truc d'avoir tout le temps des fondations. C'est pareil, on a beaucoup de références littéraires, cinématographiques et tout. C'est histoire d'être dans un cadre finalement, d'avoir des fondations, et le fait de parler effectivement d'avenir ou quoi que ce soit, ou de choses dans ce genre-là, c'est plus l'inconnu, donc peut-être qu'il y a une forme de recul face à cet obstacle-là, de notre part. Pour les albums d'avant, il y a des chansons que j'écrivais vraiment tout seul de A à Z, et là j'avais des envies ou des volontés précises, moi, en termes d'arrangement. Là, pour... Voter pour tous, vu qu'on a écrit les chansons la plupart du temps tous les deux, on les a un peu jetées en pâture pendant les répétitions, et après on a surtout fait un gros travail de suppression, en fait. C'est-à-dire que si vous écoutez les premières versions de chaque chanson, il y avait vachement plus de trucs, et on a beaucoup taillé dans la masse, parce que effectivement, sur l'art de la fugue, on a peut-être poussé cette envie-là le plus loin qu'on pouvait supporter, quoi. Il y a des chansons avec énormément d'arrangements, et on avait envie d'un truc plus simple. Après,